Why you always in the mood? Messing around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Hello la gang, j'espère que vous allez bien. On est dimanche le 16 mai. Écoutez, je pète le feu, littéralement, je sais pas trop ce qui se passe. Je venais juste de vous vlogger pour vous dire que j'étais pas tant en forme, puis... Ben, pas que j'étais découragée, mais c'est un petit peu quand même, là. Puis c'est ça, mais je pense que là, c'est le fait qu'il y a eu une série de journées chaudes, ensoleillées, bref, je pense... En tout cas, moi, ça touche vraiment mon moral. Et c'est ça, écoutez, je vais vraiment, vraiment bien aujourd'hui, donc je m'étais dit que j'allais vous jaser et faire un vlog. En fait, aujourd'hui, c'est une vidéo, en fait, que je voulais inclure à mon vlog de jeudi dernier. C'est juste que, pour vrai, je vous ai tellement jasé longtemps que, pour vrai, ça aurait été un vlog interminable. Donc, je me suis dit que j'allais le faire en deux sections. Donc, puisque je vais vraiment bien aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Donc, ce que je veux vous présenter, en fait, c'est des produits que je me suis procuré dernièrement pour moi, un peu produits de beauté. Ensuite de ça, je vais faire un petit review là, sur les produits Attitude, mais vraiment là, en 30 secondes. J'ai fait un petit achat pour Abby pour cet été. Alors sans plus tarder, je vous montre ça! Tout d'abord, je vais vous parler des produits de la compagnie Nuda. Celui-là, en fait, je me l'ai procuré l'année passée. Juste avant d'accoucher, en fait, sérieusement, là, tu sais, en début de printemps, on est tout le temps blanche, on va pas se le cacher. Puis, c'est ça, je savais même pas si j'allais pouvoir profiter autant d'aller à l'extérieur avec un bébé naissant et tout. Donc, c'est ça, je m'étais dit que j'allais me procurer ça, puis c'est ça, j'avais vraiment eu des bons commentaires. En fait, on passait à l'œil du dragon dans les dernières années. Puis sinon, ben, c'est les amis à Sarah Couture, si vous la suivez. Donc, c'est ça. Bref, je voulais juste vous le dire parce que je l'ai utilisé aussi en même temps que mon eau. Mais c'est ça, je viens de me procurer celui-là. Enfin, j'en ai entendu parler encore là sur Instagram et tout. Puis honnêtement, je voyais vraiment des beaux résultats parce que je dois vous avouer que j'ai tout le temps eu peur de me mettre de l'auto-bronzant dans le visage parce que j'ai tout le temps peur que ça sorte orange, tu sais, que j'applique ça mal, puis tout ça, là, tu sais, c'est ça. Je me considère vraiment pas une pro en produits de beauté et tout. Mais honnêtement, c'est super facile, puis j'ai comme vraiment vu, comme je vous dis, plein de monde l'utiliser, puis je voyais vraiment que ça faisait un effet naturel, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Il se détaille 35$, donc c'est une eau auto-bronzante pour le visage, cou et décolleté. Dans le fond, c'est vraiment, vraiment simple. En fait, premièrement, la livraison est vraiment rapide. Donc, je l'ai testé mercredi, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que je voulais vous en parler le jeudi, puis finalement, comme je vous dis, j'ai trop jasé. Donc, dans le fond, on s'exfolie le visage avant, puis ils disent de le faire 24 heures avant pour un meilleur résultat. C'est vraiment un spray comme ça. Donc, on se met comme à 5 pouces du visage. Là. Moi, je suis pas vraiment bonne dans les pouces, là, mais pensez comme un demi-sous-marin Subway, là, un petit peu plus proche. Puis, dans le fond, on vaporise quelques coups, là, vraiment, là, tu sais, très rapide. Visage, cou décolleté. Et c'est tout. On laisse sécher, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, tu sais, sincèrement, je trouve ça mieux ça qu'une crème que je dois appliquer. Puis là, mon Dieu, je n'ai-tu trop mis, puis tout ça. J'aime vraiment, vraiment le principe. C'est vraiment simple. C'est juste qu'il faut attendre 6 heures avant de remettre un produit là, sur notre visage, soit une crème ou se maquiller ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ça. Le lendemain matin, honnêtement, j'ai vraiment vu une belle différence. Je vais vous mettre un avant-après d'une photo là, que j'ai faite. Mais honnêtement, je trouve pas que sur les photos, on voit vraiment une différence. C'est sûr que, tu sais, c'est peut-être pas la même luminosité dans le sens que c'est peut-être pas la même heure dans la journée. C'était pas non plus nécessairement. Il faisait peut-être soleil la deuxième journée, en tout cas. Mais honnêtement, moi, je trouve vraiment que ça fait une belle différence. Comme je vous dis, c'est vraiment délicat, naturel. Bref, je capotais là, sur ce produit-là. En plus, là, ce qui est bien, c'est que c'est vegan, c'est sans cruauté animale, c'est à 90% d'ingrédients naturels, sans sulfate, sans parabènes. Donc, pour vrai, c'est vraiment un bon produit. Puis, il y a une petite fragrance de melon d'eau. Ça sent super bon. Il y a de l'aloès à l'intérieur, extrait de concombre, extrait de rose musquée, extrait de camomille, extrait de thé blanc et vitamines A, C et E.
Et là, écoutez, là, j'ai aucune collaboration avec eux. Ils savent même pas que j'utilise leurs produits. Je vous en parle juste parce que quand j'ai des coups de cœur, j'aime vraiment ça, vous parler des produits. Mais écoutez, ça me rapporte absolument rien de vous dire ça aujourd'hui. Puis tant qu'à ça, j'ai réessayé celui-là. Celui-là, c'est vraiment comme, vous voyez, là, un push comme ça, mais c'est vraiment comme, tu sais, une crème auto-bronzante, là. Honnêtement, moi, j'ai un petit peu plus peur de ce genre de produit-là que c'est une crème parce que j'ai tout le temps peur de mal étendre ça. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le mettre avec votre crème hydratante pour le corps. J'ai mis quelques pushes de celui-là aussi. Je les ai mélangés, j'étale ça sur mon corps aux endroits. Moi, sincèrement, j'en ai juste mis sur mes jambes, sur mes cuisses, parce que c'est vraiment ça que je trouve qui est le plus apparent, et sur les bras. C'est tout. Tu sais, j'en ai pas mis sur mes seins, sur mon ventre, dans mon dos. Tu sais, honnêtement, enceinte comme en ce moment, je pense pas que je vais me promener souvent la bédaine à l'air. Mettez, vous en mettez où ce que vous voulez. Là. Vous pouvez même l'utiliser pour le visage, là, si jamais vous voulez comme juste un des deux produits. Là. Pour vrai, moi, j'ai vraiment vu, là, je ne vous ai pas pris de photos de mes cuisses. Là. Mais sincèrement, c'est super naturel aussi, puis j'ai vraiment vu une belle différence. Donc, ce qui est bien dans cette crème-là, c'est qu'il est hydratant également. Celui-là, il sent le concombre. Ça peut durer jusqu'à 7 jours, l'essai, là, un peu bronzant. Ça fait pas de traces. Je vous dirais juste que la seule chose, c'est qu'après avoir appliqué cette crème-là, lavez-vous les mains comme il faut parce que pour vrai, sinon vos mains vont vraiment être plus foncées que le reste parce que vous ne pouvez pas en mélangeant notre crème. C'est ça. Juste un petit conseil. Encore là, 100% vegan, 100% sans cruauté. Produit du Canada en plus. Ça va peut-être paraître niaiseux, mais tu sais, dans l'état où j'étais, on dirait que j'avais juste le goût de me sentir belle et tout. Puis sincèrement, je pense que ça l'a joué au fait que je suis de bonne humeur. Parce que je me sens, on dirait, plus rayonnante et tout. Écoutez, vous avez peut-être trouvé ça bien niaiseux, mais c'est, je pense que c'est mental. Par la suite, un peu dans le même principe, sincèrement, je voulais avoir un nouveau fond de teint parce que premièrement, j'étais due. Mais je voulais avoir un fond de teint avec un FPS dedans. Parce que, écoutez, là, cet été, j'ai juste le goût, mettons, de me mettre un fond de teint, mais tu sais, d'avoir aussi une protection, tu sais, pas devoir mettre aussi une crème solaire en plus de mon fond de teint, tu sais, ça, comme ça va mal, là. Puis, honnêtement, encore là, tu sais, je veux du poil rapide parce que je vais avoir un bébé naissant. Et bref, j'avais regardé sur les internets sincèrement, j'avais vraiment une idée en allant chez Sephora. Puis là, dans le fond, c'est ça, là, lundi passé, quand j'étais pour mon échographie cardiaque et tout. Entre-temps, il fallait que j'attende pour voir mon cardiologue dont j'ai été dîner. J'ai été chez Sephora, justement, pour cette crème-là, ben fond de teint, là. Et j'ai demandé aussi à la vendeuse si, honnêtement, j'ai juste dit qu'est-ce que je voulais. Je voulais avoir un fond de teint avec du FPS quand même fort, quand même une couvrance quand même bien. Puis que, c'est ça, je voulais avoir un petit glow aussi, là, je trouvais, là, qui faisait un petit peu, sans dire bronzant, mais je sais pas si vous me comprenez, là. Puis elle m'a exactement dit la même crème que je pensais acheter. Donc, oui, pourquoi je dis tout en crème, en tout cas. Alors, c'est celui-là que j'ai pris de la compagnie IT. Donc, c'est le CC Plus Illumination. Alors, ça dit FPS 50+, écran solaire physique, crème correctrice, illuminatrice, haute couvrance, plus, en plus de ça, il y a un sérum hydratant tiers à l'intérieur. Je vous mets une petite vidéo ici de comment je me l'ai appliqué. J'ai filmé cette vidéo-là jeudi matin en pensant vous en parler dans la journée. Mais écoutez, vous savez. Donc, ça vient comme ça, avec un petit bouchon, avec une petite pompe comme ça ici. Puis, pour vrai, là, je capote sur ce produit-là. Je l'ai mis encore aujourd'hui. J'ai jamais aimé un fond de teint à ce point-là. C'est sûr que c'est pas donné, là, c'est 52$, mais écoutez, ça fait comme plein de choses en même temps. Donc, honnêtement, on a comme moins besoin d'utiliser de produits. Et encore là, aucunement commandité, là, la fille, là. C'est juste que quand je capote sur des produits, je voulais absolument vous en parler. Puis, l'autre chose qui me manquait également dans ma gamme maquillage, parce que pour vrai, après, là, je vais vraiment être bonne pour un goût, c'était une poudre fixatrice. Donc, j'ai pris celle de chez Laura Mercier, encore là, chez Sephora. C'est ça, je l'ai procurée dans le format mini parce qu'honnêtement, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est vraiment pas donné non plus comme produit. C'est 30$ pour le mini, puis je pense que c'est 50$ pour le plus gros. Puis honnêtement, ça change rien que ça soit petit ou gros, là, dans le sens que, tu sais, on met notre pinceau, on récolte la poudre, puis on se l'étend dans le visage. Puis honnêtement, ça va vraiment faire longtemps déjà avec le mini.
Sincèrement, je ne l'avais jamais testé aussi, donc je voulais commencer par voir si je l'aimais. Je trouve que ça se trimballe vraiment mieux que le gros. T'sais, si jamais un moment donné, on s'en va un week-end à quelque part. Donc ça aussi, je l'ai testé, puis sincèrement, elle est vraiment bien. Donc c'était tout pour ma petite gamme esthétique que je me suis procurée. Rapidement, je voulais vous reparler aussi de ces produits-là que j'utilise pendant ma grossesse. Celle-là, c'est pour les jambes lourdes. Écoutez, l'odeur est pas top. Je vous dirais, moi, je trouve quasiment que ça pue, là. Mais ça fait tellement du bien. Quand je me masse les jambes avec ça, après, là, il y a comme un effet fraîcheur, là. Je sais pas comment expliquer, là. Mais, tu sais, on sent, là, que ça travaille ses jambes. Ça fait vraiment, comme je vous dis, un effet, c'est ça, là, fraîcheur. Et celle-là, c'est vraiment la crème, en fait, hydratante pour le corps, pour prévenir vergeture et tout. Et sincèrement, celle-là, elle sent vraiment, vraiment bonne. Puis je l'aime vraiment, tu sais, elle s'étend bien, elle est pas collante, tout ça. Honnêtement, vraiment un beau produit. Je l'ai bientôt fini, honnêtement, là. Je me dis qu'il va falloir sûrement que je m'en rachète une quand même pour le reste de la fin de ma grossesse. Et sinon, le petit produit que j'ai reçu pour Abby, je vous en avais parlé que j'avais commandé un chapeau d'été sur la compagnie québécoise Abby Belle. Donc, c'est ça, je l'ai commandé comme en avril, avant la fête à Abby. C'est juste, puis tu sais, c'est correct, là, c'est vraiment pas parce que leur livraison est lente et tout. Je l'avais pris en précommande et je savais qu'elle allait juste partir début mai. Je sais que leur collection 2020, si vous voulez aller voir sur leur site, est en promotion à 12$, mais il ne reste pas toutes les grandeurs. Puis honnêtement, je trouve vraiment que ça fait... c'est plus des couleurs de garçon. Et cette année, je vous dirais que je trouvais que ça faisait vraiment plus fille. Donc il se détaille 24$. Honnêtement, c'est pas mal dans les prix que si vous allez avec un LP ou bien un... C'est Jeanne et Jules, sont quand même chers aussi. Vraiment, là, je le trouve magnifique. Il est réversible si on veut le mettre de l'autre côté, mais je vous avouerais... que d'après moi, je vais vraiment plus le porter sur ce côté-là. Donc, des beaux cordons également. Il y a un FPS dessus aussi, puis c'est imperméable. Honnêtement, je l'aime vraiment. C'est ça, j'ai pris la grandeur 12-24 mois, puis sérieux, c'était parfait. C'est même, c'est pas qu'il est si lousse, là, mais tu sais, il va y faire un bout, là. Alors, c'est tout pour les petits achats qui étaient pour moi et Abby. Là, on va bientôt se réveiller, donc je vais arrêter la vidéo ici pour l'instant. Je pense vraiment pas faire finalement un daily vlog, ce que je pensais faire au début. Peut-être vous montrer deux, trois affaires qu'on fait aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes comme moi, que vous étendez votre linge à l'extérieur, mais pour vrai, il n'y a rien de mieux que l'odeur de notre linge que séché à l'extérieur. Ça sent vraiment bon. Je vais vous montrer ma piscine. Là. Honnêtement, il faut vraiment qu'on la parte bientôt. Là. Je me demande même si je vais pas la partir tantôt. En tout cas, cette semaine, là, parce que c'est ça, quand on se vraiment faire des journées chaudes, et puis, c'est ça, j'ai bien hâte d'aller me tremper les pieds. Et avant de partir, j'allais vous oublier, mais je vais faire le tirage maintenant de la gagnante de mon concours de 250 abonnés. Donc, je vais mettre tous les noms dans un petit plat, faire le tirage, annoncer la gagnante, donc restez là! C'est l'heure! J'ai mis toutes les personnes qui ont participé, donc qui ont liké, commenté, etc. dans mon petit plat. Donc, je vais tirer en live, là, comme ça, avec vous. Vous ne pouvez pas dire que j'aurais triché, regardé ou quoi que ce soit. Alors, j'y vais. Alors, la personne gagnante est Lydia Soucy. Voilà! Félicitations! Alors, viens juste m'écrire en bas du vidéo, m'écrire en fait là, que tu as bien vu que tu avais gagné, puis je vais rentrer en contact avec toi pour la suite. Donc là-dessus, je vous dis merci encore de me suivre dans mon quotidien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le.
likez mes vidéos si vous aimez ça. Et puis nous, on se dit à bientôt. Bye bye!